protocole de base pour provoquer l'extériorisation de la conscience. L'extériorisation de la conscience peut s'effectuer soit à l'état de veille, soit dans le sommeil. Le plus facile est dans le sommeil, car le cerveau est dans un rythme cérébral favorable. Quoi qu'il en soit, le protocole de base est le même. Physiologiquement, le dédoublement requiert une relaxation maximale qui s'obtient en différentes phases. Ainsi, les liens se relâchent entre corps physique et corps astral. Premièrement, une respiration relaxante. Deuxièmement, une détente musculaire. Troisièmement, une baisse de la tension sanguine. Quatrièmement, autosuggestion, protection, bulle protectrice, objectif à atteindre, pouvoir de l'intention. Cinquièmement, délocalisation de la conscience par rapport au corps physique, ce qui peut s'obtenir de différentes façons, souvent une visualisation. Voyons tout d'abord la respiration relaxante. On adopte une respiration complète, c'est-à-dire qui fait intervenir les trois étages thoraciques, inspiration ventrale, inspiration thoracique, inspiration claviculaire. Expiration ventrale, expiration thoracique, expiration claviculaire. Faites cela à plusieurs reprises, par exemple. Avec entraînement, on va rythmer cette respiration soit rectangulaire, soit carrée. Une respiration rectangulaire, c'est inspiration un temps X, rétention poumon plein un temps X sur 2, expiration un temps X, rétention poumon vide un temps X sur 2. Exemple. Inspiration 4 secondes, rétention à plein 2 secondes, expiration 4 secondes, rétention à vide 2 secondes. La respiration carrée, quant à elle, a les 4 temps égaux. Inspiration à temps X, rétention à plein 1 temps X, expiration, un temps X, rétention à vide, un temps X. Exemple, inspire 4 secondes, rétention à plein 4 secondes, expire 4 secondes, rétention à vide 4 secondes. Avant de passer à la respiration rythmée, on peut pratiquer éventuellement une respiration de déblocage du plexus solaire et du chakra de la gorge, deux zones de tension très gênantes pour le dédoublement. Ce sont souvent dans ces deux zones-là que se trouvent un certain nombre de tensions qui peuvent déranger, gêner le fait de se dédoubler. Pratiquons maintenant. Vous êtes allongé. Si possible, vous pratiquez une respiration complète. À l'inspire, vous visualisez une fleur de lotus de couleur jaune au niveau de votre chakra du plexus solaire. Au fur et à mesure que vous inspirez, la fleur de lotus s'ouvre. Les pétales s'écartent et à l'expiration, la fleur se referme lentement. Visualisez cela lors de plusieurs respirations.
Puis, maintenant, vous allez visualiser une fleur de lotus bleu ciel au niveau de votre chakra de la gorge. À l'inspire, elle s'ouvre. À l'expire, elle se referme. Vous continuez ainsi quelques respirations. Maintenant, vous pratiquez la respiration à quatre temps. Avec une durée de rythme de votre choix. Vous vous concentrez en détente sur votre chakra du troisième œil, l'espace entre les deux yeux, à la racine du nez. Continuez la respiration rythmique, tout en vous concentrant sur le troisième œil. Soyez attentif à votre respiration, en même temps orientez votre conscience vers votre troisième œil. Maintenant, passons à la méthode de relaxation approfondie. Vous êtes toujours allongé sur le tapis, vos yeux clos, vos bras le long du corps. Vous prenez bien conscience des points de contact de votre corps avec le tapis. La nuque, les épaules, les mains, les bras, les avant-bras, les jambes, les cuisses, le bassin, le dos en contact avec le tapis. Maintenant, vous prenez bien conscience du pied gauche, le pied gauche, très lourd, très pesant, très lourd, très pesant. Vous ressentez bien le mollet gauche, très lourd, très pesant, très lourd, très pesant. Vous ressentez bien la cuisse gauche très lourde, très pesante, très lourde, très pesante. Toute la jambe gauche très lourde, très pesante.
Maintenant, prenez bien conscience du pied droit. Le pied droit très lourd, très pesant. Très lourd, très pesant. Vous ressentez bien le mollet droit. Le mollet droit très lourd, très pesant. Très lourd, très pesant. Vous ressentez bien la cuisse droite. La cuisse droite très lourde, très pesante. Très lourde, très pesante. Toute la jambe droite très lourde, très pesante. Puis vous prenez bien conscience de votre main gauche très lourde, très pesante, très lourde, très pesante. Vous ressentez bien votre avant-bras gauche. Votre avant-bras gauche très lourd, très pesant, très lourd, très pesant. Vous ressentez bien le haut de votre bras gauche, le haut de votre bras gauche très lourd, très pesant, très lourd, très pesant. Tout le bras gauche très lourd. Très pesant. Puis vous prenez bien conscience de votre main droite très lourde, très pesante, très lourde, très pesante. Vous ressentez votre avant-bras droit très lourd, très pesant. Très lourd, très pesant. Vous ressentez le haut de votre bras droit, le haut de votre bras droit très lourd, très pesant, très lourd, très pesant. Tout le bras droit très lourd, très pesant. Puis vous prenez conscience de votre bassin et votre abdomen très pesant, très lourd, très pesant. Vous prenez conscience de votre région lombaire très lourde, très pesante, très lourde, très pesante. Vous ressentez bien votre cage thoracique très lourde, très pesante, très lourde, très pesante. Vous ressentez bien la région du dos entre les omoplates. La région du dos entre les omoplates, très lourde, très pesante, très lourde, très pesante. Vous ressentez bien les épaules et le cou, les épaules et le cou, très lourd, très pesant, très lourd, très pesant. Vous prenez bien conscience de toute votre tête lourde, elle devient lourde comme du plomb. Lourde comme du plomb. Tout votre corps lourd, très pesant, vous avez l'impression qu'il pèse des tonnes, qu'il pèse des tonnes, comme si tout votre corps allait s'enfoncer à travers le tapis. Et au fur et à mesure que votre corps s'alourdit, vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez plus bouger. Votre jambe gauche totalement engourdie.
totalement dans l'engourdissement. Vous ne pouvez plus bouger votre jambe gauche. Votre jambe droite totalement engourdie. Totalement dans l'engourdissement. Vous ne pouvez plus la bouger. Votre bras gauche totalement engourdi. Totalement dans l'engourdissement. Vous ne pouvez plus le bouger. Votre bras droit totalement engourdi. Totalement dans l'engourdissement. Vous ne pouvez plus le bouger. Votre tronc totalement engourdi. Totalement dans l'engourdissement. Vous ne pouvez plus le bouger. Vos épaules et votre cou totalement engourdis. Totalement dans l'engourdissement. Vous ne pouvez plus les bouger. Les muscles de votre visage totalement engourdis. Totalement dans l'engourdissement. Vous ne pouvez plus les bouger. Et au fur et à mesure que tout votre corps est plongé dans l'engourdissement, vous le ressentez de moins en moins. À chaque seconde qui passe, vous ressentez de moins en moins votre pied gauche. Vous le ressentez de moins en moins. Il n'existe plus pour vous. Vous ne le ressentez de moins en moins. Il n'existe plus. À chaque seconde qui passe, vous ressentez de moins en moins votre mollet gauche. Vous ne le ressentez plus. Il n'existe plus pour vous. Il n'existe plus. À chaque seconde qui passe, vous ressentez de moins en moins votre mollet droit. Vous ne le ressentez plus. Il n'existe plus pour vous. Il n'existe plus. À chaque seconde qui passe, vous ressentez de moins en moins votre cuisse gauche. Vous ne la ressentez plus. Elle n'existe plus pour vous. Elle n'existe plus. Vous ressentez de moins en moins votre cuisse droite. Vous ne la ressentez plus. Elle n'existe plus pour vous. Elle n'existe plus. Vous ne sentez plus du tout vos jambes. Elle n'existe plus pour vous. Elle n'existe plus. Vous ressentez de moins en moins votre main gauche. Vous ne la sentez plus. Elle n'existe plus pour vous. Elle n'existe plus. Vous ressentez de moins en moins votre main droite. Vous ne la sentez plus. Elle n'existe plus pour vous. Elle n'existe plus. Vous ressentez de moins en moins votre avant-bras gauche. Vous ne le sentez plus. Il n'existe plus pour vous. Il n'existe plus. Vous ressentez de moins en moins votre avant-bras droit. Il n'existe plus pour vous. Il n'existe plus. Vous ressentez de moins en moins votre haut du bras gauche. Vous ne le sentez plus. Il n'existe plus pour vous. Il n'existe plus. Vous ressentez de moins en moins votre haut du bras droit. Vous ne le sentez plus. Il n'existe plus pour vous. Il n'existe plus. Vous ne ressentez plus du tout votre bras. Et vous ressentez de moins en moins vos bras, ils n'existent plus pour vous. Ils n'existent plus. Vous ressentez de moins en moins votre tronc. Vous ne le sentez plus. Vous ne le ressentez plus. Vous ressentez de moins en moins vos épaules et votre cou.
Il n'existe plus pour vous. Il n'existe plus. Maintenant, vous éprouvez la sensation de baigner dans une luminosité blottée. Vous baignez dans une luminosité blottée, et au fur et à mesure que vous baignez dans cette atmosphère blottée, les rythmes de votre être se ralentissent. Vous avez l'impression d'être envahi par une sensation de paix profonde. Vous avez l'impression que tout votre être est concentré là, en arrière de l'espace entre les deux sourcils. Dans cet espace, vous percevez comme une porte de lumière. Vous ressentez une force, une énergie qui vous pousse à travers cette porte. Vous passez à travers cette lumière. Vous flottez. Vous flottez au-dessus de votre corps physique. Vous entourez votre corps physique d'un halo de lumière. Vous savez qu'il est parfaitement protégé. Vous vous dites intérieurement, je me fixe comme objectif de traverser le toit de l'habitation et de marcher sur le toit de cette habitation en corps astral. Je rentrerai dans mon corps physique très facilement. En cas de danger, je le réintégrerai immédiatement. Vous vous élevez dans cette ambiance blottée. Vous percevez un escalier, un grand escalier qui s'élève juste au-dessus de vous. Vous marchez sur cet escalier. Vous montez lentement chaque marche. Vous montez toujours davantage. Toujours davantage. Au sommet de l'escalier, vous percevez comme une lumière. Vous êtes bientôt au sommet de l'escalier, face à un tourbillon de lumière. Vous vous laissez happer par ce tourbillon. Et vous voilà sur le toit de l'habitation. Vous marchez tranquillement sur le toit. Vous percevez sa couleur, sa texture, et vous regardez le paysage autour de vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en corps astral. Vous regardez bien le paysage alentour. Vous pouvez vous asseoir éventuellement sur le toit. Vous pouvez percevoir des oiseaux dans le ciel, par exemple, des maisons en bas autour. Vous éprouvez intérieurement une sensation agréable de légèreté et liberté. Le paysage vous apparaît lumineux, les couleurs sont chatoyantes, tout semble vibrer de vie.
en vous élevant légèrement au-dessus de la toiture, vous pouvez apercevoir les autres toitures des maisons ou immeubles du voisinage. Éventuellement des jardins adjacents, ainsi que les rues aux alentours. Tout cela est très amusant vu d'en haut. Vous pouvez faire un petit tour là, au-dessus de la toiture. Puis maintenant, vous allez redescendre dans votre corps physique. Vous avez l'impression de glisser vers le bas. De traverser le toit. En bas, vous percevez votre corps physique allongé sur le lit ou sur le sol. Vous vous laissez happer au niveau de votre troisième œil. Votre corps physique vous absorbe, un peu comme une éponge s'imprègne d'un liquide. Vous reprenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle. Votre respiration devient plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour de l'œil droit, les muscles autour de l'œil gauche. Vous ressentez bien les doigts de la main droite, la paume de la main droite, les doigts de la main gauche, la paume de la main gauche. Vous ressentez bien le talon du pied droit et la plante du pied. Vous ressentez bien le talon du pied gauche et la plante du pied. Vous respirez d'une façon plus ample, plus profonde. Désormais, vous pouvez de nouveau bouger votre corps physique. Vous remuez les orteils, les doigts des mains. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Vous vous asseyez lentement. La séance est terminée.